Et l'on continue de présenter les vœux pour cette nouvelle année 2024. Ce lundi 21 janvier, s'est tenue au sein de la mairie de Cocody la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du nouvel an au premier magistrat de la commune, Jean-Marc Yassé. Une cérémonie qui a noté la présence de collaborateurs du maire, de personnalités politiques, de chefs traditionnels et guides religieux, Ami Korobara et Marie Seri. Ce lundi matin, au sein de la mairie de Cocody, s'est tenue la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au premier magistrat de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé. Agents de la mairie, collaborateurs, personnalités politiques, chefs traditionnels et guides religieux sont venus nombreux présenter leurs vœux pour la nouvelle année. Cette cérémonie de présentation de vœux du nouvel an, qui se tient pour la toute première fois depuis sa première mandature, a été l'occasion pour ses collaborateurs de le féliciter pour sa réélection et ses actions en faveur de la commune de Cocody. Des actions qui contribuent à l'essor et au rayonnement de celle-ci. Ils ont réitéré leur engagement à servir la commune et les populations de Cocody aux côtés du maire Jean-Marc Yassé. À cet effet, ils lui ont témoigné leur loyauté et promis de rester en rang serré autour de sa vision pour leur commune. Prenant la parole, le maire a à son tour souhaité ses vœux les meilleurs à ses collaborateurs et aux populations de Cocody. Pour son nouveau mandat, il promet de respecter ses engagements vis-à-vis de ses administrés. Ainsi, pour mieux gérer sa commune, de nouvelles dispositions ont été prises. Pour une prise en charge optimale des besoins de nos populations, je m'engage au nom du conseil municipal à renforcer notre politique de décentralisation des services municipaux par la construction de nouvelles annexes municipales. Nous mettrons également un point d'honneur à donner corps et sens à notre politique de zonage dans la commune. Il est prévu à ce sujet qu'un adjoint au maire et des conseillers municipaux soient affectés à chaque zone dans un souci d'efficacité et de proximité avec nos administrés. Outre la décentralisation, il promet également une amélioration au niveau des services d'état civil en facilitant l'obtention des extraits de naissance et en réduisant leur délai de traitement. Jean-Marc Yassé a été réélu le 2 septembre 2023 pour un second mandat à la tête de la mairie de Cocody.